tous. Dans la troisième et dernière partie des Q-Vape Awards 2019. A tout de suite. Après ce très léger interlude musical, qui était là pour fêter la troisième et dernière partie des Q-Vape Awards, on s'attaque aujourd'hui au classique gourmand. Classique, ça veut dire tabac. Donc les tabacs, vous savez que les tabacs, j'ai pas eu l'habitude d'en vaper énormément. J'ai fait des reviews de tabac sur la chaîne, mais en termes de vape, c'est pas ce que je préfère. Pour moi, on a beaucoup plus de richesse à trouver dans des illiquides fruités, des illiquides gourmands, plutôt que dans des tabacs. Même s'il y a de très bonnes gammes qui existent et qui sont proposées, j'ai pas voulu proposer une review 100% tabac. J'ai préféré m'intéresser à quelque chose d'un peu plus complexe au niveau liquide, les tabacs gourmands. Je vous propose donc que nous passions directement au classement. Donc il n'y aura pas 5 liquides aujourd'hui nominés, mais il y en aura 3. Et tout de suite, à la troisième place de ce classement. Le Jungle Trouble de chez Furiosa Vape 47. Un classique tabac des îles, banane flambée avec des petites pralines. J'ai eu l'occasion de le goûter sur le stand à la Vape Expo Paris 2017 directement. Je l'ai regoûté quand il est arrivé en shop à Clermont et il est monumental. Il diffère énormément la force de Furiosa, de la gamme Furiosa et même des Furiosa Eggs, c'est qu'ils arrivent à changer du tout au tout d'un liquide à l'autre. Le premier, une nectarine lactée, après on a eu du frais avec un raisin, ils sont impériaux. Ils sont donc retrouvés dans deux parties des Q-Vape Awards. Il y avait aussi eu le Dragon Cloud dans la partie sur les fruités, qui d'ailleurs aurait pu tomber dans la partie gourmand, parce que c'est une nectarine lactée, c'est pas du fruité fruité à proprement parler. Le Jungle Trouble, tabac gourmand, mérite clairement sa troisième place dans ce classement. À la seconde place, re-roulement de tambour, ratatata, le Loose Cannon de chez Ropecut, gamme canadienne, excellente gamme canadienne d'ailleurs, qui contient que des liquides super sympas. Donc à ma connaissance, donc il y a le Skipper, il y a le Loose Cannon, il doit y avoir un mentholet, il me semble. Mais c'est de loin le Loose Cannon mon préféré. Donc classique Ropecut, leur classique, fruit à coque caramélisé. Un excellent liquide canadien. Et les gens qui géraient les stands Ropecut sur la Vape Expo Lille étaient vraiment adorables. Je me souviens d'un vieux monsieur et d'une très jolie brune. Voilà. Donc bah Loose Cannon, Ropecut. Vous pouvez y aller aussi les yeux fermés. Pour les amateurs de tabac, il n'y a pas à discuter des masses. Avant d'annoncer le grand gagnant de cette troisième partie des Q-Vape Awards, je tiens à remercier Jessica, qui m'a envoyé un vape mail Vaporesso pour fêter le premier sponsoring de la chaîne. Sponsoring, qu'est-ce que ça veut dire? Vaporesso, vous le savez, ils font du matos. J'en tiens dans les mains. Et c'est du matos que j'affectionne. Faut savoir que cette petite Revenger, ça fait des mois et des mois qu'elle tourne. J'ai dû faire deux ou trois fois le tour du compteur. Elle n'a pas bougé.
au contraire de beaucoup d'autres box qui, elles, sont mortes assez rapidement, assez déçues du coup, assez déçues. Et non pas assez décès, lol, MDR. Voilà. Donc ouais, tout ça pour en venir au fait que j'ai accepté un premier sponsor sur la chaîne pour du matériel. Mais nous ne ferons pas de review matériel pour autant. Je vape sur ce matériel, mais jamais, ô combien jamais, vous m'entendrez parler de caractéristiques. Là, je peux vous dire que je suis sur un Sky Solo Plus, que ça fait à peu près une semaine que je tourne dessus, que c'est très bon. On est sur du 0,18 en résistance. Pour un petit mode bien compact, ça me paraît plus qu'avisé. Mais jamais je décrirai du matos pour décrire du matos. Cette chaîne est dédiée aux illiquides. J'ai attaqué ce projet pour faire découvrir des illiquides aux gens. Ils sont pas tous bons, ou très bons dans ceux que j'ai reviewés, mais mon objectif, et d'ailleurs vous pouvez m'aider à ce niveau-là, si vous avez des idées de liquides qui sortent du commun, qui sont fabriqués par des personnes qui aiment ce qu'ils font, et qui font pas ça uniquement pour gratter de la maille. Je suis désolé, mais quand tu sors une gamme de liquide archi simple, tu peux pas. Voilà, c'est du basique, c'est destiné aux primo-accédants, mais il n'y a pas de recherche formelle au niveau des goûts pour faire découvrir de nouvelles choses aux gens. Je pense à des marques. Bon, au hasard, Ladybug. Ladybug, sur chacune de ses recettes, il s'arrache et il fait des trucs mortels. Je vais faire une review Ladybug dans pas longtemps. J'ai fait une commande. Qui on peut citer? Jérémy, de chez Revolut, Vapordai, InnoWire. C'est un mec qui passe des mois et des mois sur la création d'un liquide pour sortir des liquides au top du top. Qui est-ce qu'on peut citer? Bah bon, Vape 47. Les Dragon... les Furiosa et les Furiosa Eggs, c'est deux gammes impériales. Après, on aime ou on n'aime pas, mais il y a du boulot dessus. Et en parlant de créateurs de génie qui s'arrachent la gueule sur un liquide, à la première place de ce classement, je vais commencer par vous donner le descriptif. Donc, on est sur une base cigare, café, caramel, pain aux noix, banane. Voilà. C'est quand même un peu plus recherché que de faire un citron mentholé. N'est-il point? Et donc à la première place de ce classement, je suis très heureux d'annoncer que mon tabac gourmand préféré est le Breed Tabaco, qui s'appelle maintenant le Bread tout court, des jus de Nicole, France. Donc allez le voir à Recyclope, à Lyon, allez le faire chier. Goûtez ses jus, il était sur la Vape Expo. Allez l'emmerder à Lyon. Recyclope, je vous mettrai l'adresse.